Voilà, parce que je sens que les animations, il aime pas. Du coup, on va patienter. Oh, puis on reçoit plein de disques d'or et tout. Pour les RICOM. Parce que les RICOM se vendent. Alors en vrai, j'ai l'impression surtout que c'est les animations à l'écran qui font bugger. Du coup, ce que je propose, c'est on zoome à fond. On va zoomer à fond sur une case, tant pis, on verra rien. Maintenant. Je peux pas zoomer plus que ça? Je zoome max. Comme ça, j'ai zoomé à un endroit. Et il va essayer de se débrouiller comme ça. Avec un minimum d'animation à l'écran. Avec le minimum que je peux. Ouais, résultat sur le rendu, il galère moins. Bon. J'essaie de me mettre à l'autre coin. Voilà, comme ça j'ai quasiment aucune animation là. Ok, c'est bon, j'arrive à avoir un jeu fluide là. Bon, du coup il a plus qu'à calculer les jeux. Mais le calcul des jeux a été trop trop violent là. Bah oui, éditeur de l'année là. Là je suis désolé, éditeur de l'année. Oh, puis on a Ground Zero aussi qui est en GOTY. Ok. Alors pareil, les GOTY sont pas dans le lot parce que évidemment, bah, ils sont en RICOM, hein, donc. Bon, je suis à 62 milliards. Tout va bien? 63 milliards. Le pognon, il augmente tellement vite. Là là. Truc, c'est quand tout ça va être vendu, ça va faire un vide. Hein. Va y avoir un vide dans le à droite. Hein. Alors tout est vendu en démat. Hein. Tous les jeux classiques sont vendus en démat. Ils ne sont absolument pas produits en physique. C'est 100% démat. Hein. Il y a juste des jeux de nos filiales qui sont en matérialisé. Je suis désolé, hein, il ne se passe pas grand-chose à l'écran. On va vraiment juste patienter. Mais c'est absurde. C'est quoi ça? R de légende. Ouais, vas-y. En vrai? D'ailleurs, mettre en pause, parce qu'apparemment il galère trop à m'afficher le marché de l'emploi. Je pose la question, ce serait d'essayer de virer des employés un peu moins compétents. On se dit que par exemple, là on peut embaucher combien de salariés? Qui sont au-dessus de 50%. Beaucoup. Et on ne prend que les employés qui ont au minimum 50% de compétences dans leur domaine principal. On peut faire ça, hein. En vrai, on peut faire ça. Mais bon. Wouf. Allez, laisse tomber. C'est pas grave. De toute façon, on brasse déjà suffisamment de moulins, on peut garder. Faire un enfant du matériel, c'est vraiment pour optimiser un peu, mais c'est pas forcément utile. Bon, voilà, on va laisser l'argent arriver, l'argent affluer.
pendant plusieurs semaines là du coup. Ok. Évidemment, on va voir tous les stands et tout. Il est tellement en train d'en chier. Allez, bundle 3, 4, 5. En vrai, attendez, en vrai, on va trier par nom. Comme ça, j'aurai les bundles en premier, là. Enfin, beaucoup plus proche. Ou 5. Soixante-onze milliards. Soixante-douze. Et le pire, c'est qu'on a encore des grands classiques qui sont en train d'arriver. Ah ça y est, j'ai des grands classiques qui commencent à dégager. Ok, on va mettre en pause. Du coup, bundle. Ouais. Du coup, bundle 8, on va le faire ensemble celui-là. Parce qu'en plus, il m'en manque un pour le prochain... Hop. Faut qu'on les fasse au fur et à mesure parce que sinon je vais trop galérer à les faire. Allez, hop, le bundle 8. En démat. On fixe le prix automatiquement. Ce sera la semaine prochaine. Et on repart. Quelques salariés qui se barrent de temps en temps. Ok. Du coup, bundle 9. Je pense que je peux, hein. Bah oui, j'ai mes 5. Du coup, c'est parti. Hop. C'est bon, ça s'évacue, ça s'évacue. Ça rapporte à chaque fois plusieurs millions. Là, un petit 3 millions là, mais à chaque fois ça rapporte suffisamment quoi. Voilà, cette année on n'a rien sorti du coup.
On va regarder pour sortir le bundle 10. Est-ce que je peux? Oui, je peux. Je pense même que je peux sortir le 11e aussi. Ouais, je peux sortir aussi le 11e. Ok, semaine prochaine. On va vraiment essayer de les faire au fur et à mesure, hein, parce que sinon on est, sinon ça va être la même merde. On sort du bundle. En vrai, quand c'est possible, moi sur Steam, j'achète des bundles. C'est généralement, on en a pour moins cher et au moins ça permet de découvrir des nouveaux jeux. Même si la plupart sont pas susceptibles pour faire des vidéos. Disque d'or reçu pour bundle 11, il vient de sortir. J'adore. Et il n'y a pas de hype dessus, c'est ça qui est ouf. Hein. C'est que là-dessus, je fais zéro hype, quoi. Bon, normalement, j'ai deux jeux pour le bundle, là. Faut que je compte, hein. 3. Bon, je suis désolé pour l'écran fixe, hein, mais si si je vais du côté des salariés, ça va, ça rame. Ok, ça par contre c'était pas un... Ok, si j'ai un classique, j'ai un classique. Ok. Hop, je peux refaire un bundle. Donc c'est le 12e. Ok. On les enchaîne. De toute façon, voilà, ils vont sortir pas salve, donc forcément... et niveau liste, là j'en suis où? Allez, le 14. Ok.
Ah bah, génial, encore du bundle. Wow. Beaucoup de bundles. On est déjà au 15e, hein. On avait commencé cette session de tournage, j'en avais fait 7, hein. Je mets vraiment dans l'ordre du plus ancien au plus récent. La semaine prochaine. Hop, c'est parti. Hop, ça c'était le 15e. Du coup, on fait le 16. On va faire le 17. Hop. Okay. Alors attendez, juste, je vais juste regarder un truc. Parce que dans les bundles, je peux gérer les achats intégrés. Oula. Parce que tout ça, j'ai géré, mais ah non, il y a des jeux que j'avais pas. Ah. Alors, attendez, on va faire ça rapidement. On s'en tape? Parce que là, le jeu galère sa race. Ah, tant pis, le jeu galère trop. Juste, je voulais voir si sur les bundles, je pouvais. Non, sur les bundles, je peux pas. C'est forcément les jeux. Les Ricom. Bon, allez, c'est parti. C'est évacué là. Là, ça. Oh, zut, j'ai mis un B minuscule à celui-là. Oh, c'est pas grave. Bon là, voilà, hein. Là du bundle, je peux en faire. Hein. Y a pas de souci là. Ah mais jusqu'à la dernière goutte, on essore les jeux quoi. C'est GTA V le bordel quoi. On est comme Rockstar Game quoi. Quand on a une idée, on les sort mais jusqu'au bout quoi. Oui, je vais tailler beaucoup de devs en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas ce que j'ai entre Steam qui en prend plein la tronche et là maintenant c'est Rockstar Game. Je sais pas pourquoi. Donc le 19e.
Le 20e. On est à 20 bundles. On va faire ça un bon moment, hein. Je vous cache pas que ça va. On va envoyer Little Dragon, d'accord, ok. Je pense que c'est double dragon. Un bundle. Là. Bah, il y en a deux qui se sont barrés déjà. Ok. Du coup, bah, un bundle 22. Hein. Bah, ouais, nickel. Exactement. C'est bon, ça s'évacue. Oh là là. Ça s'évacue beaucoup trop là. Et j'ai encore tout ça de grand classique à faire. Hop. Parce que j'avais tout fait, mais il y a les jeux qui étaient en production, là, ils sont sortis. Entre deux. Enfin, ils sont sortis du marché. Du coup. Du coup, la liste, elle est encore en train de revenir. Je sais même plus où j'en suis. 23, hein. Ouais, c'est ça. 23e bundle. Ouais. Ouais. Alors, je vais copier le mot. Évitera de le taper à chaque fois. On est au 24e, hein. Ouais. Et je suis à 82 milliards. C'est ça le plus ouf.
Ok, 26. On crache du bundle, en veux-tu, en voilà. Hein. Je pense que pour la convention, on va prendre 3 jeux au pif, terminé, hein, parce que... Hop. Le 27e. Donc à chaque fois qu'on sort un jeu du marché, on peut le mettre dans un bundle. Et le bundle, c'est des lots de 5. Là, pareil, hein, ergonomie, là, ça pourrait être retravaillé. C'est-à-dire, on pourrait très bien cocher plusieurs jeux et terminer, quoi. Mais bon. On va arriver à 30 bundles. Vous multipliez par 5 et vous avez le nombre de jeux déjà que j'ai recom. Hein. Ça fait 30, ouais. Non, n'importe quoi. 28 x 5. Attendez, je peux pas faire deux choses en même temps. Quand je serai à 30, je serai à 150 jeux. Ah, 29. Voilà, c'est très répétitif, hein. Mais ça aurait été bien d'avoir des cases à cocher, puis on coche... On coche les cases et terminé quoi. Plutôt que de devoir relancer l'un, c'est pas. C'est pas le top. Pareil que cette case-là soit mise en mémoire là parce que. Parce qu'une fois qu'on veut plus faire de matérialiser, en fait, c'est chiant. Et 30e bundle, du coup 150 jeux déjà. 150 jeux que j'ai comme. Je sais pas s'il y a des achievements là-dessus, mais... Au bout de 100 bundles, j'en sais rien. Allez, on fait le 33e.
On attend une semaine. Et on recommence. Ouh, il y a du bundle. Ouh. En vrai, je sens qu'au bout d'un moment, ça me saoulait de descendre à chaque fois. J'en suis à 34, hein, c'est ça? Non. Non, je viens de faire le 34. À partir du 40e, je prends en haut de la liste. Parce qu'au bout d'un moment. Ah, 37e. Bon, on arrive au bout. Allez, 38e. Bundle. On est proche de la convention. Le bundle 6, j'ai vu qu'il était parti, du coup, ouais, du coup, ça continue de descendre, quoi. Bon. C'était le 38e, hein, ouais. À partir du 40, je vais mettre en vrac, hein. Là, c'est parce que je... Je voulais garder la chronologie plus ou moins. Mais en vrai... Hop. Ben, c'est bon, 40.
40. Allez, hop, let's go. Je prends en vrac. Faut gagner un peu de temps parce que... Allez, 41. Quarante-deux, la réponse à la vie, l'univers, elle reste. Hop, 43. Mince. Et ben voilà, 44. Allez, suivant. Je me demande si le jeu il arrive à s'en sortir un peu plus là si je dézoome. On va encore attendre un petit peu mais. De toute façon c'est le dernier. Hop, 47. Il a peiné, hein. Vas-y, on va prendre les derniers bundles. Ah, c'est un GOTY. Oh, 92%. Ouais, bah vas-y, hein. De toute façon, hop. Vas-y. Vends-le. Alors. Voyons un petit peu. Est-ce qu'ils s'en sortent un peu mieux? Eux, ils galèrent.
Envoie le jeu est redevenu fluide. Ah, mais c'est bon, en fait. Toutes mes recoms sont parties, en fait. J'ai plus que les bundles. Ah là 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 là. Bon, ok, d'accord. Bon, c'est la bonne nouvelle. Je voulais voir ça. Il me reste 28 mises à jour ici. Ici, ça galère. Et il manque une dizaine de personnes. Du coup, je vais recruter. En vrai, je prends tout. Ah bah, je vais même pas rempli assez entièrement. Comme ça. Oula, ouais, non, ça galère encore un peu. Ça galère encore un petit peu. Du coup, la question que je me pose, c'est... on va faire ça. On va sortir les grands classiques qui sont sortis entre deux. Voilà, on va les sortir aussi. Ouais, pourquoi je me fais chier à descendre? Hop. Voilà, c'est pour faire les derniers bundles, hein, bien sûr. Enfin, les derniers. En vrai, là, on n'a plus aucun souci. Hein. On a quasiment fini le jeu, en vrai. Hein. C'est juste qu'il faudrait que les autres entreprises se laissent racheter. Mais je crois qu'il faut que je puisse développer une console et qu'elle marche bien. Mince, ça, c'est les bundles. Ça, c'est pas ce que je voulais. Mais là, on bombarde. Hein. Franchement, on bombarde le marché. Hein. Ah là là, cette période de bundle, de recom et de bundle. Allez, il en reste deux. Et on commence avec Gauthier. On va commencer les gothis. Allez, c'est parti. Bon, il y en a quelques-uns. Bon, voilà, on va les sortir.
Hein? Ah, lui, il est laissé le marché. Donc lui, il va falloir attendre. Il y en a deux, trois hein, qui doivent être sur le marché, hein, parmi les recoms que j'ai fait. Faut pas s'étonner. Attendez, on va faire ça autrement. Hop. Voilà. Voilà. Je vais juste avoir un œil sur les gothis. Voir si je. Parce que j'ai eu un doute si au bout d'un moment j'avais pas oublié de décocher la case. Ok. Et donc j'en avais qu'un qui est en réédition. Ok. Bah, du coup c'est parti. Alors juste je voudrais voir un truc. Ouais, hein, il me reste ces trois grands classiques là. Donc là j'ai quelques encore grands classiques qui vont sortir. Et puis ça va nous permettre de refaire 2-3 bundles. On va arriver à 50 bundles. Ça veut dire 250 jeux. On a publié 250 jeux. C'est débile. Et au niveau de nos salles, par contre, on a plus un jeu d'éditeur là. Du coup, enfin, en édition. Mais on va laisser la liste un petit peu s'évacuer là, parce que je vous avouerai qu'elle est bien chargée et que le jeu m'a même fait peur à son lancement là, parce que et même là encore, c'est ah oui, mais faut que je remette les options graphiques. Bon. Beaucoup trop de notifs, sérieusement. C'est débile les notifs, tous les disques d'or, de diamants que je récupère, c'est n'importe quoi. Disque de platine. Pour des recoms, pour des bundles. C'est. Au secours! Ah là là, je vous jure. Milliards. Et objectif, arriver au PIB de la France. C'est un peu plus de 2000 milliards, il me semble. Ah. Alors, je vous laisse une seconde. Je vais pas oublier de réactiver mon micro après cet appel. Mais là, j'ai reçu un appel, là, du coup. Ah, bah attendez, on fait le petit stand et je dois écouter des messages. Vas-y, mais Gauthier, en vrai.
par contre, on va prendre la date de sortie. Ouais, ok. Hop. Voilà, let's go. Ok. Je coupe une seconde mon micro. Bon, ok. Attendez, alors, bah, voilà, hein, c'est. Ah, le bundle 9 qui sort. Bon, c'est parti. C'était rien d'important. Alors, tac, web. Attendez. Ah, excusez-moi, hein, je réponds juste à un SMS. Retour, mon micro est bien activé, pas de soucis. Ok. Bien. Est-ce qu'on rouvre. On va attendre un petit peu, hein, comme j'ai dit, avant de rouvrir nos éditions. Pourquoi lui. Il attend du matérialiser, lui. The big deal. Heureusement que je peux corriger ça. Hop. Par contre, ça fait plusieurs années qu'on sort pas de jeu du coup, hein. Puis les autres, ils me sortent pas du 90% quoi. On va laisser le jeu s'écouler, c'est pas trop. Voilà. Mon stock est vide. En vrai. Le bundle 10. En vrai, je me dis. On est riche. Il n'y a plus trop de soucis. Juste aller jeter un œil au développeur. Toujours pas de prix de vente, hein. Chiant. Je crois que malheureusement, il faut rester nos ennemis, enfin nos concurrents pour le restant. Après, est-ce que c'est le marché de la concurrence qui m'empêche de racheter les derniers concurrents? C'est possible, hein, c'est possible qu'il y ait
Il est mis un système anti-concurrence. Oh, ça m'étonnerait beaucoup. Le but du jeu, c'est quand même d'obtenir le monopole, hein, il me semble. Hein, mais bon. Bon. Alors, moi, j'hésite. Parce que là, mine de rien, le démat, bah, ça se vend bien. Le matérialisé. Bon, voilà. Hein, il y a toujours ce débat. Hein, IRL. Le démat, c'est en fait, voilà, on est comme quoi, on n'est pas garanti de garder le jeu à vie parce que nanana. Alors que le jeu matérialisé, au moins on l'a physiquement et si on veut réinstaller le jeu alors que les serveurs n'existent plus, il n'y a plus de soucis. C'est pas si simple que ça quand même. Parce que par exemple, si vous avez les CD de World of Warcraft.